Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mickey Echo. Donc on va continuer la page 6. Donc on est le 6 janvier, mais n'importe quoi. Ça commence bien les amis cette vidéo, hein. Nous sommes le 8 janvier. Et donc il nous restait le 1. Le 0, le A et le B à faire. Donc, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être le 0. Le 0, c'est un bleu pâle. Bleu turquoise. Alors, peut-être que je le mets dedans. On va prendre ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Non, je fais déjà le tour. On est vendredi, alors tout va bien. C'est le week-end. Pouvoir se reposer un petit peu, profiter avec mon homme, mon fils. Donc ça, c'est bon. Ensuite, où est-ce qu'on a du zéro? On en a là. Voilà. On en a là. J'ai même pas le temps, les amis, de regarder des vidéos. Pour tout vous dire, je suis plus rien. En fait, j'ai pas le temps, j'arrive pas à suivre les vidéos. Donc, je saurais même pas vous dire c'est quoi les nouveautés actuellement. Puisque, bah. Niveau vidéo colo, bah, je ne peux pas en regarder puisque j'ai pas du tout le temps. Donc voilà. Les notifications, je les reçois, mais j'ai absolument pas le temps de colorier, de regarder les vidéos. Je suis complètement absente à ce niveau-là. Mais bon. Alors, étant donné que je n'ai plus de duo à faire,
Enfin, si, j'ai encore un duo. Je dois terminer le duo avec ma meilleure amie. Et je crois qu'avec Christelle, j'avais encore un duo. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je vais pouvoir commencer mon challenge de l'année. Donc, je vous avais dit que j'ai des petits challenges. Par exemple, colorier un mandala avec des feux de stylo gel, etc., etc. Ma meilleure amie m'a donné des thèmes et courant l'année, puisque j'ai pas eu le temps avant, donc c'est de août à août, je crois que c'était. Faut juste que je trouve mon cahier. Et du coup, donc elle m'a donné des thèmes et du coup, on va essayer de faire ça. Eh ben, petit à petit, hein. Ça sert à rien de se presser si c'est pas fait cette année, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais je pense pouvoir. Le faire. Tac. Tac. Alors, je prends mon temps. Comme d'habitude, j'ai pas envie de me tromper. Comme vous pouvez voir, moi quand je colorie, je prends mon temps. Ça sert à rien d'aller vite de toute façon. Si c'est pour bâcler, je vois pas l'intérêt. Hein. Aussi. Je voulais vous parler un petit peu des nouveautés sur la chaîne. Donc, il va y avoir des coloriages hors mystère. Il va y avoir de la peinture par numéro. J'aimerais bien commencer le point de croix. Donc, vous savez, la broderie là sur toile. Et en fait, vous faites la croix avec votre fil et tout. Mais je ne sais pas encore si je vais faire ça. Ensuite, bah, les DP. Et essentiellement, je vais essayer de vous faire des fois des tutos avec les crayons de couleur. Donc, pour mon anniversaire, mon chéri m'a dit de choisir des trucs sur Amazon. Donc, j'ai choisi des choses. J'ai trouvé quoi prendre. Finalement. Et du coup, ben, je vous ferai des petits tutos comment faire une feuille, comment faire. Mais d'abord, enfin, des petits tutos, enfin, vous comprenez quoi. Je vais vous dire les crayons que j'utilise, etc. Comment faire ceci et cela, une fleur, par exemple, un pétale. Et le poil animal, par exemple. Mais d'abord, les amis, il faut que je m'exerce sur certains points. Alors, pour faire les façades de maison, tout ça, ça va. Je gère assez bien. Mais alors, pour
faire les poils animaux, ça va pas. Hein. Après, pour faire, vous savez, les petites boules des murs, là. Le fruit, la mûre, ça va. Framboise, pareil. Ce que j'avais. Oh là là, je pars en sucette là. Parce que j'avais fait un petit tuto précédemment, enfin, sur une précédente vidéo. Mais peut-être améliorer la technique. Hein. Pourquoi pas. Donc, il va y avoir ça. Il faudrait que je continue aussi les cartes à gratter. À graver, pardon. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me... Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que... C'est pas comme le colo, en fait. Je suis pas... dessus tout le temps. Et souvenez-vous, mon pot de fleurs n'est toujours pas terminé. Hein. Donc, pour vous dire à quel point j'adore cette activité. Non, j'aime bien, mais quand j'ai envie, quoi. Sinon, ben, le DP, ça va continuer, bien évidemment. Le colo, il va y avoir quelques colos normaux, on va dire. Voilà, comme je faisais un petit peu avant de faire des vidéos tous les jours. Donc avant, je faisais des colos dans plusieurs livres. Et bah, je vous montrais tout, mes colos terminés. Et je faisais de temps en temps des colos normaux. Et en fait, ça me manque un petit peu. Donc, je vais reprendre. Et on va faire ça en vidéo. Hein. Donc, bien évidemment, des fois, il y aura... du crayon, mais par exemple avec de l'essence sans odeur, il y aura des dégradés, il y aura du feutre-alcool, enfin un petit peu de tout concernant le colo. Ensuite, pour le DP, bah, ça continue, hein, partenariat. Unboxing, avancée des toiles, enfin, voilà comme d'hab. Et la peinture par numéro, ça va être une grande première pour moi parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc, ben. Je teste. C'est un partenariat, mais ça sert aussi à ça, les partenariats, essayer des nouvelles choses. Donc j'espère, les amis, que je vais réussir, que je ne vais pas gâcher ou faire de bêtises avec la peinture par numéro, parce que j'ai jamais, vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, je me dis que ça doit être la même chose que le coloriage, sauf avec un pinceau. Mais avec un pinceau, les amis, je ne suis pas douée. Donc, désolé les amis. Donc, je disais que avec les feutres, enfin, avec la peinture, je ne suis point douée. Moi, vous mettez un pinceau dans mes mains. Donc, je parle pour le colo ou pour toute autre activité, je ne suis pas douée. Donc, voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va être quand même assez simple. Et que je vais pas ne pas aimer cette activité. Tout ce que j'aimerais, c'est aimer cette activité-là. J'ai déjà fait du tricotin, j'ai déjà fait du tricot, j'ai déjà fait plein de choses. Et vraiment, le coloriage et le diamant painting, c'est vraiment ce qui m'a tenu le plus longtemps. Si je peux dire, enfin, le coloriage, du moins, ça fait déjà 6 ans que je colorie. Le diamant painting, ça va faire 3 ans que j'en fais.
Donc, c'est vraiment une activité que j'aimerais rajouter sur ma chaîne, hein, du moins. Donc, j'espère vraiment que ça va me plaire. Donc, on va faire le A. Et j'ai le A, on va prendre. Alors, attendez que je regarde. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Une couleur qui se rapproche bien. Attendez, je regarde sur mes nuanciers. Si vous entendez ma fifi, c'est normal. Elle aboie parce que je crois que la femme de ménage est en train de nettoyer le palier. J'avais pas un autre nuancier par hasard, si là, mais je vais pas utiliser celui-là. Alors, pour le A, Fifi, c'est rien. Je vais utiliser. Alors, Fifi, c'est rien. C'est rien. Donc, je disais, je vais utiliser le 79 des feutres Sta. Donc, écoutez, les amis, c'est parti. Hein. Je n'appuie pas hein, sur mes feutres. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Ouais, j'ai besoin de nouveautés sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et pour celles qui n'osent pas se lancer dans le coloriage, ben, en mystère, ben moi je dis qu'il faut tenter. En fait, il faut essayer. Hein, même si vous contrôlez, enfin si vous contrôlez pas forcément les dégradés, etc. C'est pas grave. Hein. Je veux dire, tout le monde commence quelque part. Hein. On ne naît pas et on sait tout. Donc voilà, apprendre, voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Je m'entraîne, je regarde des tutos, j'essaie d'apprendre. Et plus ben, vous essayerez, plus votre technique ben, sera meilleure. Moi, j'adore apprendre de nouvelles choses, etc. Donc, voilà. Après, voilà, pour ma part, j'ai besoin de changement un petit peu. Et puis, voilà. Il y aura toujours du mystère, mais vraiment à petite dose ou alors le soir, de mon côté, je ferai ça. À moins que vous vouliez faire des duos. Voilà. Mais sinon, du mystère, je pense pas qu'il y en aura tant que ça. Il y a des mois où, bien sûr, il y en aura plus que d'autres, mais... Je pense pas non plus faire trop de mystère, quoi. Donc, on continue avec le A. Et j'ai oublié de noter ce que c'était le 79. Voilà, j'ai la femme de ménage qui est en train de passer un coup de balai. Du coup, ça énerve ma fifi. Voilà. Tac, j'ai rangé pas mal de matériel là. Et puis ça permet aussi d'user un petit peu tout ce que j'ai, les aquarelles, etc. De m'améliorer, de faire mieux ensuite. Hein. Sachant que j'ai du super bon crayon de couleur. Hein, donc, les Prismacolor, ils sont magnifiques. Ils sont. Oula! Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je sais pas. Ils sont vraiment crémeux. Ils sont vachement bien.
Et pour faire des dégradés, c'est le top. J'ai les gants de buis également. Crayon de chez Action, mais c'est pas pareil hein, avec les crayons de chez Action. Et même avec les gants de buis, je trouve que les dégradés, bon, vous pouvez en faire. Mais il sera pas aussi accentué que les Prismacolor. Ça, j'aimerais bien aussi les polychromos tester. Mais pour le moment, je ne testerai pas. Dans un futur proche, je pense les acheter. Donc la boîte de 150, hein. Mais d'abord, je vais un petit peu économiser comme ça. Comme ça, bah. Et ben. Je pourrais les acheter. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après ça, ben voilà quoi, je continue le colo doucement à mon rythme. C'est vrai que j'étais un petit peu absente ces derniers temps, j'ai pas vraiment colorié. Et là, en fait, je sais pas, hier, ça m'a pris de nouveau. Donc, je sais pas si j'avais pas besoin d'une pause. Je fais une peu micro-pause, hein, on va dire, parce que des fois, je fais des pauses de 6 mois. Hein. Et je reprends 6 mois après. 3 mois après, enfin, ça dépend. Voilà. Donc les amis, on va terminer ce colo ensemble. Et puis, il faudrait aussi que je vide mon téléphone. Ça, il faudrait que je fasse. Parce que du coup, j'ai plus trop de place là. J'ai plein de photos, plein de coloriage applications que je mets dans mes photos. Je sauvegarde. Et du coup, ça prend de la place. Alors. Pour le A, c'est terminé. Je vais l'arranger. Hein. Maintenant, on va faire le B. Le B, c'est le WG9. Des aqua. Des aquamarines. Alors, c'est vrai, je les utilise souvent, hein, les aquas. Mais bon, ils sont sur mon bureau, donc c'est peut-être pour ça aussi. Il y a des trucs que j'ai rangés parce que, avec le DP, j'ai pas de place. Et. Et puis voilà. Donc on fait ça. On plie. Voilà aussi que je fasse mes contours. Hein.
maintenant que j'y pense. Peut-être un jour que je m'y mette. Je crois que j'ai pas mal de contours en retard. Voilà pour le B. Et maintenant, il reste le 1. Et le 1, c'est du noir. Donc, je vais essayer d'attraper. Voilà. Mon noir. Hop. Tac. Ah, je vais avoir les doigts tout noirs de nouveau. C'est pas grave. Et je regardais mon niveau de batterie. Tac. Ok. Ça c'est bon. Voilà. Les oreilles, c'est bon. On va faire les yeux. Ouais, c'est plutôt... C'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà. Voilà. Le nez. Hop. Voilà. Et ici, on a encore une partie noire. Je sais pas pourquoi c'est en noir. Ok. Et voilà les amis, on a terminé normalement. Alors, je vais juste vérifier par rapport à derrière. Ouais, ok, c'est bon. Ça fait partie de la queue. Donc, on a terminé le coloriage, les amis. Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau coloriage. Bye bye!